Bonjour, soyez les bienvenus à la chaîne Algo, programmation première année ST. Donc dans cette vidéo, nous allons voir la première série d'exercices que nous allons voir concernant les notions de base que nous avons vues au niveau du cours. Donc ici, nous allons voir les expressions, les opérateurs ainsi que les types de base. Donc premier exercice sera dédié pour les priorités et les parenthèses. Deuxième exercice sur le type et la valeur de chaque expression, comment déduire le type et la valeur de chaque expression. Quatrième exercice sur la déduction de la valeur affectée à chaque variable. Exercice 5, 6 et 7, ce sera le déroulement et déduire qu'est-ce qu'elle affiche le programme. Donc le premier exercice, il vous dit éliminer les parenthèses qui ne sont pas nécessaires dans les expressions suivantes. Donc si je prends l'expression x plus 5, donc les parenthèses ne sont pas nécessaires ici puisqu'il y a une seule opération, c'est l'addition. Donc dans ce cas-là, on peut enlever les parenthèses. X reçoit y entre parenthèses plus 2. Est-ce que c'est obligatoire ou bien non? X égale à y. A inférieur à B, entre parenthèses, et C inférieur à D. I plus plus, entre parenthèses, étoile N plus P. Donc, on peut vérifier les expressions en utilisant des programmes. Donc, on va faire un essai sur deux expressions. Donc, pour la première, donc, on peut enlever les parenthèses puisqu'il y a une seule opération, c'est l'addition. Donc, on peut vérifier ça à travers un programme. Donc, ici, je déclare X comme variable locale. Je vais l'initialiser à 10. Et je vais faire l'affichage de deux valeurs. Donc ici, x plus 5 égale, donc je vais faire x plus 5 entre parenthèses, ici, égale, et je vais faire ici, donc j'ai fait entier, je saute la ligne deux fois, et ici je vais faire x plus 5 entre parenthèses. Donc ça c'est la première expression. La deuxième expression, c'est que je vais faire la même chose, sans parenthèses. Donc ici, j'enlève les parenthèses. Pour x plus 5. Je vais éloigner un peu pour que ça apparaisse l'expression. Voilà. J'y compile, j'exécute. Vous trouvez le même résultat. Pas de problème. Non, je peux enlever ici la parenthèse à l'intérieur du message. Voilà. Donc vous remarquez ici, x plus 5 n'est pas entre parenthèses. Ici, donc ils sont égaux. Donc ici, c'est quoi le problème? Alors, compile. Voilà, exécuter. Voilà. Donc ça c'est pour la première expression. La deuxième expression, on ne doit pas enlever les parenthèses. Pourquoi? La cause c'est que l'addition elle est prioritaire que l'affectation. Donc ici si x reçoit y, le résultat plus 2. Donc le résultat de x reçoit y, c'est la valeur de x plus 2. Donc c'est ici on n'a pas le droit d'enlever les parenthèses. Ici on fait un test comme nous le venons de faire ici. Donc ici je vais faire x et égale à 10, y égale à 5. Maintenant, si je fais ça, x reçoit y plus combien? Plus 2. Voilà. Donc, je vais copier celle-là. Et je vais coller, je vais faire ça ici, plus 2. Et ici, y, et ici, reçoit. Donc, sans parenthèse, j'enlève les parenthèses. Ici, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir quelque chose. Vous allez voir que les deux expressions donnent le même résultat, mais réellement c'est pas la même chose. Donc c'est quoi le, donc elle donne 7 7, donc mais c'est quoi le problème alors? Pourquoi on n'a pas le droit d'enlever les parenthèses? C'est la cause, c'est comme suit. Si on fait ici comme ça, ça veut dire x reçoit la valeur de y, donc x devient pour nous ici devient 5 plus 2, ça va dans 7, mais la valeur de x est 5. Par contre, si on enlève les parenthèses, comme ici, ça veut dire x ici reçoit le résultat de y plus 2. Donc, c'est la valeur de x qui diffère. Donc, on va faire un essai ici. Donc, je saute une seule fois ici. Et je vais afficher la valeur de x. La valeur de x égale, j'affiche et je saute deux fois. Et je donne ici la valeur de x. Et je donne la valeur de x par la suite ici. Ici, je saute une seule fois. Donc voilà la cause. La cause c'est quoi? C'est que les deux expressions donnent le même résultat. Très bien. Donc 7, 7. Par contre ici la valeur de x est 5, ici la valeur de x est 7. C'est pour cela qu'ils ne sont pas équivalentes. Les deux expressions ne sont pas équivalentes à cause de ça. À cause que la valeur affectée ici c'est la valeur de y. Ici si on enlève les parenthèses, la valeur affectée c'est y plus 2. Donc ici on peut enlever. Donc ici on peut enlever les parenthèses. Pourquoi? Puisque les comparaisons inférieures,
sont prioritaires que inférieur, supérieur, inférieur, égal, etc. sont prioritaires que le logique. Donc vous pouvez voir le cours où nous avons fait le où nous avons fait les priorités. Vous remarquez les opérateurs de comparaison sont prioritaires que le i logique. Voilà, c'est ça la cause. Ici, on peut enlever les parenthèses pour plus plus puisque c'est prioritaire que l'addition. Voilà, c'est prioritaire que l'addition, plus plus il est là. Et la multiplication, c'est prioritaire que la multiplication. Par contre, la multiplication, elle est prioritaire que l'addition, donc on ne doit pas enlever les parenthèses pour qu'il fait l'addition tout d'abord. Donc la multiplication est prioritaire que... Donc on n'a pas le droit d'enlever que l'addition. Voilà, ici la multiplication, ici l'addition. Voilà donc la solution de cet exercice. L'exercice numéro 2, donc il vous donne une suite de déclarations. Donc deux variables, il vous donne de déduire les expressions suivantes. Donc P plus 3, C plus 1, P plus C et 3 étoiles P plus 5 fois C. Donc on commence par le premier. Le type du premier, donc réellement ici 3 il est entier. Donc qu'est-ce qui se passe? Le P il est converti de short vers int, vers entier. Après il fait l'addition, le résultat c'est 13 en entier. Voilà, donc ici c'est entier et le résultat c'est 13. C plus 1, qu'est-ce qui se passe? Donc le C, il est converti vers un entier puisque 1 c'est un entier et le résultat ça devient 2. Donc 1 plus 2, ça devient 2. Donc ça veut dire en hexadécimal. Okay. P plus C. Donc le C, il est converti vers short, je pense, puis vers int. Alors le C, il est converti vers short. Ok. Après, il est converti vers int. Ça veut dire c'est une conversion char int. Donc le short vers int et le char vers int. Donc le P il est converti de short vers int et le C de char vers int. Et le résultat il est en entier. Ça donne 11. Pardon, la dernière expression. Donc c'est entier. Donc le P il est converti vers int. Donc le C vers int et on fait les opérations. Donc toutes les expressions sont entières et le résultat il est à côté. Voilà. Donc, c'est pas peine qu'on fait le programme. Donc, ici, l'exercice numéro 3, il vous donne une suite de déclarations. Et il vous demande de déduire le type et la valeur de chacune des expressions suivantes, donc comme nous venons de le faire. Donc, pour le premier, le N, le C, c'est char et le P, c'est long. Donc, tout est converti vers long. Donc, tout d'abord, pour faire 1 plus C, le C est converti vers entier. Le résultat de 1 plus C, il est converti vers float. Alors, on peut utiliser l'ordinateur, la machine, pour voilà. Donc le C est converti vers le int. Le résultat de 1 plus C est converti vers long. Le résultat, c'est 1001. Donc c'est 1000 pour P, 5 pour N et 5 pour C, c'est 1010. Pardon. 2 fois X plus C, donc le C est converti vers float. Donc voilà. Donc 2 fois X. Voilà, on convertit le C vers float. Après, on trouve le résultat, 7,5. Ici, le N converti dans entier vers char. Par la suite, pour faire l'addition, on le reconvertit vers l'entier. Et le C converti vers entier, on trouve le résultat en entier. À la fin, oui. Donc, ce n'est pas la peine de faire le char. Le Z, donc le Z, il est converti vers float. Le 1 sur 2, attention ici, N, il est entier. Donc, 5 sur 2, ça ne donne pas 2,5, ça donne 2. 2 plus 5,5, ça donne 7,5. Donc voilà la cause. La cause c'est quoi? C'est que le 1 sur 2 est un entier qui est égal à 2. Voilà, le 1 sur 2. Donc on peut faire un test sur ça pour 1 sur 2. Donc je peux... on peut faire un petit test ici. Je vais laisser ça. Je vais faire ça x. Et on va afficher x sur 2. X sur 2 égale, et je vais faire ici float, on va voir qu'est-ce qu'il affiche, x sur 2. On va marquer, alors qu'est-ce qui se passe, point virgule, ici, partons. Vous trouvez, c'est 0,0, donc c'est quoi le problème? Alors, 5 sur 2. Il affiche ça. Pardon. Alors.
Je vais faire plus 1 ici. Ok, je vais faire, voilà, je vais faire un float y, voilà, reçoit 0. Ok, je vais faire plus y, donc ça n'influence pas le résultat y puisqu'il est égal à 0. Et je vais faire ici y. Alors c'est quoi le problème? Voilà, égal à 2. Voilà, très bien, c'est à cause de ça. Donc, c'est quoi le problème ici? Le problème, c'est que, pourquoi il n'a pas trouvé 2,5? Donc ça, c'est 0. 2,5, pourquoi? Puisque x, il est entier. Si on veut trouver 2,5, on doit mettre ici float. Voilà. Voilà, on trouve maintenant 2,5. Donc, la division d'un entier vers un nombre, le résultat, il est entier. Donc c'est ça la cause ici, 5 sur 2 égale à 2, plus 5,5, on trouve 7,5, on ne trouve pas 8, à cause de ça. L'exercice numéro 4, soit les déclarations suivantes, voilà. Et il vous demande la même chose, de déduire la valeur affectée et aux différentes variables dans ce qui suit. Donc on cherche la valeur. Donc Q reçoit N inférieur à P, Q reçoit N égal à P, Q reçoit P... race division modulo n plus p supérieur à n, etc. Donc on va les voir une à une. On commence par la première. Q reçoit n sur p. N égale à combien? N égale à 5, p égale à 9. Donc on trouve la valeur true. On sait c'est la valeur 1. Voilà. Ici on trouve la valeur 1. Voilà. Donc on peut venir ici. Int n reçoit 5, virgule, p reçoit 9. Et on cherche la valeur de n inférieur à p. Alors ici en entier, et on fait ici n inférieur à p. Vous compilez, vous exécutez, vous trouvez 1. Voilà, c'est la valeur. Par la suite, il vous donne q égale n égale p. Vous trouvez false, qui ça veut dire égal à 0. Donc ici n égale p, on revient ici, on fait l'opérateur égal. Donc égal, c'est 2 égal en réalité, puisque un seul égal, c'est c'est l'affectation. Vous remarquez, égal à 0. Voilà. Le 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire false. Par la suite, Q reçoit P modulo N plus P supérieur à N. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Donc, ici, le modulo, il est prioritaire que l'addition. Et supérieur est prioritaire que l'addition. Normalement, c'est ça. Donc, on peut voir. Voilà. Par contre, non. L'addition, elle est prioritaire que un supérieur. Donc attention ici. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Le modulo, il est prioritaire que l'addition. Voilà. Donc tout d'abord, il fait le modulo P modulo N. Donc P modulo N. Donc 9 modulo 5 égale à 4. Plus P, c'est 13. 13 supérieur à N égale à true. Normalement, on trouve true. Voilà. Donc, on va essayer de le faire. On va faire ici Q. Reçoit quoi? Donc on a dit P modulo N plus P supérieur à N. Voilà. Donc ici, on va faire ici Q. On trouve Q égale à 1. Donc c'est quoi le problème ici? À la fin, oui. À la fin, tout ça, est-ce qu'il est supérieur à 1 ou bien non? Voilà. Donc, voilà, égal à 1, pourquoi? Puisqu'on trouve ça, c'est 14 supérieur à 1. Donc, c'est 4 plus 9 égale à 14 supérieur à 1 qui est égal à 5. P sur n, donc la valeur de x, x est float. Donc, attention ici, float, x, c'est combien? C'est p sur n. Puisque p, il est entier, n, il est entier, normalement, le résultat, il est entier. On va voir ici, on essaye de l'afficher en float. Voilà, et on fait x. Donc, p, c'est 9 sur 5. 9 sur 5, on trouve égal à 1. Voilà, vous remarquez 1,00. Voilà, c'est ça le problème. Maintenant, si on veut obtenir un résultat float, on doit précéder p par float. Voilà, on vient de le faire ici. Donc, ici, on trouve 1,1 si on fait le float ici. Voilà, on peut tester à travers la machine. Vous compilez, vous exécutez. Pardon, il y a une petite erreur. Voilà, j'exécute, vous trouvez 1,8. Voilà, très bien. Donc, P plus 0,5 sur N.
égale à 1,9. Donc pourquoi ici égale à 1,9? Donc P c'est 9, 9,5. 9,5, voilà, on va tester. Donc 9,5 sur 5. Voilà. Donc ici la conversion, elle est automatique vers le float. Donc X reçoit, on enlève le float. Puisqu'on a fait l'addition avec 0,5, ce résultat-là, il est en float ou bien il est en double sur N. Donc ça va être en double ou bien en float, ça veut dire avec la virgule, on trouve 1,9. Voilà. Après ici, il vous fait X reçoit, donc c'est un résultat entier ici. On trouve 9,5 sur 5, on trouve 1. Donc ici, si je fais ici int, le résultat, on trouve 1. Voyez, on enlève la virgule. Donc attention aux opérations de division. Voilà, ici on trouve le 1. Voilà. Ici, c'est l'expression ternaire. Donc c'est n multiplié par p supérieur à n. Si supérieur à n, on prend n, sinon on prend p. Donc est-ce que p supérieur à n? Oui, 9 supérieur à 5, c'est vrai. Donc on prend la première valeur, ça devient n fois n, ça devient 25. Donc ici le résultat c'est 25. Donc on le fait ici, je supprime celle-là. Ou bien je fais en commentaire. Reçoit p multiplié, entre parenthèses, si p supérieur à n, on prend la valeur de n, sinon on prend la valeur de p. Voilà, et on affiche le P. Voilà. Donc P égale. Et voilà, et on fait comme ça. Et on prend la valeur de P, de Q. C'est Q, c'est pas P, Q là, ici. Voilà. Vous trouvez 45. Pourquoi 45? Donc c'est P ici, pardon. C'est N multiplié par. Donc c'est N multiplié par. Donc on trouve 25. Voilà, vous trouvez 25. Par contre, si on fait P inférieur, donc elle est fausse, cette expression, il ne prend pas N, il prend P, ça devient N fois P, ce qui veut dire 5 fois 9, il trouve 45. Donc ici, si je fais inférieur, je compile, on trouve 45. Et voilà. Donc j'espère bien que c'est clair. C'est très important de comprendre ces subtilités. Donc c'est des exercices de base pour débutants. C'est pas vraiment. Maintenant on va faire le déroulement. Donc on passe à l'exercice 5, 6, 6, 7 qui concerne les déroulements. Donc on prend le programme suivant et on va les dérouler. Donc pour le dérouler, qu'est-ce qu'on va faire? On prend les variables. Donc les variables déclarées ici. Donc en langage C, on peut déclarer à n'importe quel endroit du programme. On prend les variables qui sont là et on essaye de faire un tableau de déroulement comme on a fait déjà en langage Pascal. Donc ici je prends l'exercice 5 et on fait le tableau de déroulement. Donc le tableau de déroulement, on va le dessiner comme suit. On insère un tableau, on insère trois zones. Donc nous avons la zone instruction. Nous avons la zone variable. Et nous avons la zone affichage, ça veut dire l'écran. Lorsqu'on exécute le programme, qu'est-ce qu'il affiche avec printf? Donc, je vais centrer tout. Donc, je vais mettre comme ça. Donc, et je passe à la deuxième ligne. Donc, la deuxième ligne ici, je ne vais pas centrer. Je vais passer comme suit. Donc, par contre, au niveau de variable, ici, je vais rendre un peu moins petit. Donc, je vais diviser la partie variable. Je crée une sous-ligne comme ça, avec le crayon. Voilà. Et je vais créer ici trois zones. Pourquoi trois zones? Tout simplement, dans le programme, nous avons I, J, N. Donc voilà, ici I, ici J, ici N. Voilà. Donc on peut rendre ça là en gras. Voilà, en italique. Par contre, les variables, on peut les mettre en italique tout court. Voilà comment on fait le tableau de déroulement. On commence les instructions. On va commencer par le premier cas. Donc I reçoit 10, N reçoit I++. Donc le J, il n'a pas touché. Et il affiche le I et le N. Très bien. Donc le J, il n'a pas spécifié ici. Donc on fait les instructions. Il reçoit 10, point virgule. Quoi aussi donc ici, je vais essayer de diminuer un petit peu pour avoir un peu d'espace ou bien augmenter un petit peu ici. Très bien. Après, il reçoit 10, ça veut dire qu'on va mettre ici 10. Ça, c'est la première, le premier effet. N reçoit I++. Ça veut dire quoi? N reçoit I++. N reçoit I++, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout d'abord,
on va affecter la valeur du i à n. Par la suite, on fait l'incrémentation de i. Donc le plus plus ici, ça s'appelle le post-incrémentation. Le post-incrémentation, ce n'est pas le pré-incrémentation. Donc qu'est-ce qui se passe ici? On aura dans la valeur de n 10. Ça, c'est la première chose qu'il faut exécuter. Par la suite, on exécute le i plus plus. Ça veut dire qu'il sera incrémenté. Ça devient 11. Donc l'instruction suivante qui est l'affichage. Qui est l'affichage? Voilà, c'est printf. Je vais l'écrire. Voilà. Donc le printf, le premier cas, etc., etc. Ok. Donc ici, le printf, qu'est-ce qu'il affiche? Il affiche i égale quoi? Et n égale quoi? Et il saute de ligne. Ça, c'est pas méchant pour nous. Donc qu'est-ce qu'il affiche pour nous? Il affiche ceci. Au niveau d'affichage, il affiche i égale 11 et n égale 10. Voilà le déroulement de la première partie, de la première, le premier affichage. Voilà, ici c'est au niveau de l'affichage. Okay? Donc je vais mettre ça en gras puisque c'est un affichage. Voilà, donc on va faire un test. Je vais copier ça. Je vais aller au programme. Je ferme tout ça. Alors, je déclare nos variables. Nous avons i, j, n, i, j, n, et je fais celle-là. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié pour l'affichage? J'ai oublié ici de mettre les variables. Alors, i et la variable j. La variable n, pardon. Ok, ça c'est très important. Donc, je dois corriger ici. Voilà. Alors, on compile. On exécute et vous trouvez i égale à 11, n égale à 10. Ça, c'est le premier cas. Très bien. Maintenant, nous passons au deuxième cas. Deuxième cas, c'est quoi? C'est la même chose que... La différence, c'est quoi? I reçoit 10 et on fait ici plus plus i. Donc, n. Donc ici, c'est le pré-affectation. Donc, on va copier ça et on passe à la deuxième ligne. Donc, i reçoit 10, ici, on met 10. Par contre, cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? Avant d'affecter le i à n, tout d'abord, on fait l'incrémentation. Ça veut dire ici, on incrémente, par la suite, on affecte. Voilà, c'est ça la différence. Tout à l'heure, on affecte, puis on incrémente. Donc ici, au niveau de l'affichage, l'affiche numéro 2, normalement, on trouve, selon le tableau, on trouve 11, 11. On va faire un petit changement. Donc ici, c'est numéro 2. On fait un petit changement au niveau du déroulement. On va essayer de le faire ici aussi. Et on fait plus plus. Voilà. Donc, il va afficher 11, 11. Tout d'abord, il incrémente, puis il affecte. Voilà. Le troisième cas, c'est quoi? Si i reçoit 20, j reçoit 5, n reçoit i plus plus fois plus plus G. Donc ici, il joue sur le post-incrémentation et le pré-incrémentation. I reçoit 20, donc il va afficher ici 20 pour I. J reçoit 5, il va afficher ici 5. Par contre ici, c'est quoi la valeur de N? Donc ici, c'est la valeur de I avant qu'elle soit incrémentée, donc c'est 20, fois la valeur de J qui est incrémentée. Donc c'est 20 fois 6. 20 fois 6, normalement, il doit afficher 120. Par la suite, ici, il n'affiche pas le 20, il affiche le 21 pour I, et pour J, il affiche le 6. Donc, ce n'est pas 21 fois 6, c'est 20 fois 6. Donc, c'est 120 pour n. On va tester. I reçoit 20. Je vais faire sur la même ligne pour ne pas... Enfin, oui, on peut faire comme ça. J reçoit 5. Donc, ici, on aura 20. Ici, on aura 5. Par la suite, on fait n reçoit. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait i plus plus, donc c'est la valeur de i avant que ça soit incrémenté, multiplié par plus plus j. Voilà. En réalité, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, tout d'abord, il incrémente le j. C'est très important. Donc, j, ça devient 6. Après, il fait 20 fois 6, il trouve 120 pour n. Après, il incrémente le 20, ça devient le i, ça devient 21. Donc, le 120, c'est quoi? C'est 20 fois 6. Voilà. Normalement, c'est ça. Donc, l'affichage, au niveau de l'affichage, lorsqu'on affiche toutes les variables, pardon, ici, le troisième cas, i égale, j égale, donc on doit faire aussi j égale,
et n égale. Donc, qu'est-ce qu'il nous affiche? Il nous affiche comme suit. Normalement, c'est ça l'affichage qu'il affiche. Donc, troisième cas. I égale à 21. J égale à 6. Et n égale à 120. On va tester. On prend toute cette exécution et on la teste ici. Voilà, j'espère bien que je n'ai pas fait d'erreur. Très bien. Alors, je compile, j'exécute et on trouve. Alors, c'est quoi le problème? Qu'est-ce que j'ai fait ici? Ah, d'accord. Ici, j'ai oublié le J. Oui. Pardon. Voilà. Voilà. Vous trouvez 21, 6 et 120. Voilà. Donc ici, il faut faire attention. Post-incrémentation et pré-incrémentation ici. Voilà, donc ici c'est la valeur de i avant que ça soit incrémenté, ici c'est la valeur de j après avoir été incrémenté. Revenons à i n, donc i reçoit 15, n reçoit i plus égale 3. Donc ici c'est un problème. Est-ce que il va tout d'abord faire plus égal après égal ou bien, donc ici c'est l'ordre d'évaluation. Donc l'affectation, elle est où l'affectation? Elle est là. Donc, selon l'ordre, ici, c'est de droite à gauche. Ça veut dire, tout d'abord celle-là, après celle-là, de droite à gauche. Donc, selon l'ordre d'apparition. Donc, ici, tout d'abord, on exécute i plus i égale 3. Ça veut dire i devient 18 et n devient 18. Donc, il affiche 18, 18. On va tester. Donc, j'écris ici au niveau du déroulement. Quatrième cas. Donc, c'est quoi la valeur de i? C'est 15. I reçoit 15. Et n reçoit i plus égale 3. Donc, ici, on a dit ça devient 15 pour i. Et la première opération, c'est pas n reçoit i. C'est i plus égale 3. I plus égale 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire i reçoit la valeur de i qui est 15 plus 3, ça devient 18. Et le n, il reçoit 18. Ça veut dire au niveau de l'affichage, c'est pas fin que je l'écris au niveau de la partie instruction, printf. Si vous voulez, on va l'écrire, pas de problème, puisque i et n uniquement. Donc, c'est ce cas. Le quatrième cas, voilà. Voilà, ici, et vous écrivez le quatrième cas. Voilà, i égale à 18 et n égale à 18. Pardon, ici. Voilà, on peut le tester. Je copie ça et je colle ici au niveau du programme. Pardon, ici, voilà, très bien. Voilà, normalement, c'est ça. Donc, on fait attention à l'indentation du code. Alors, il n'y a pas d'erreur, très bien. Et vous trouvez 18, 18. Donc, la cause, c'est quoi? C'est que plus égal, elle est prioritaire que égale dans deux sens-là. Si c'était reçoit après plus reçoit, c'est reçoit qui sera prioritaire. Et au niveau de priorité, ils sont dans le même niveau. Par contre, ici, pour ce niveau-là, on évalue de droite à gauche, c'est pas de gauche à droite. Voilà la cause, voilà la justification de calcul. Le dernier résultat, le dernier calcul, I reçoit 3, J reçoit 5, N reçoit I fois égale moins moins G. D'accord. Alors, donc ici, quelle est la première opération? Donc, on suppose que fois égale, tout d'abord moins moins qui est prioritaire, puisque c'est le pré-décrémentation. On décrémente la valeur de G tout d'abord. G devient 4. Après, on multiplie I par la valeur de I qui est 3 fois 4, on trouve 12. La valeur de 1, ce sera 12. Donc, normalement, on aura 12, 12, 4. 12, 12, 4. On essaye de le faire. Alors, ici, je le fais au niveau du déroulement. Donc, voilà. Donc, ici, il reçoit, alors, combien? 3. J reçois 5. Donc, ça devient ici 3. Ça devient ici, pardon, ici 5. Alors, il reçoit, qu'est-ce qu'il a fait? Il reçoit I fois égal. Fois égale moins moins G, décrémentation de G. Donc tout d'abord ici nous avons dit
c'est la valeur du J. Pardon, je vais effacer pour que ça ne chamboule pas l'affichage. Ici, c'est 5. Alors, ici, au niveau de l'affichage pour le cinquième cas, on affiche I, J, N. Voilà. Alors, ici, tout d'abord, il doit décrémenter le J. Donc, tout d'abord, donc ici, ça devient 4. C'est la première opération. Par la suite, c'est fois égal. Donc, 3, I reçoit la valeur 3 fois 4, ça devient I, ça devient 12. Et N reçoit la valeur de I qui est 12. Donc, qu'est-ce qu'il affiche? Il affiche ceci. Voilà, je vais copier celui-là. Donc, il affiche I, c'est 12. J, c'est 4. Et N, c'est 12. On va tester. Donc, ici, j'ai oublié le G. Comme tout à l'heure, j'ai oublié aussi le G ici, puisqu'il y a le J. Alors, voilà. Je sélectionne tout ça. Alors, on vient ici. Très bien. Et on colle. Et on indente le code. Voilà, c'est très important. Je compile. Et alors, c'est quoi le problème? C'est le point virgule ici. Alors, je compile. Alors, c'est quoi le problème? Ah, alors, ça, c'est deux points. Je recompile. J'exécute. Vous trouvez 12, 4, 12. Très bien. Voilà. Donc, j'espère bien que c'est clair pour cet exercice. Voilà. Pardon, donc ici, je reviens à la diapo. Voilà. Donc, l'exercice numéro 6, je vous laisse le soin pour le faire. Donc, ça sera la même chose que le premier. C'est une initialisation d'un ensemble de variables. Et il vous demande de le dérouler et de voir qu'est-ce qu'il affiche. Donc, ici, par exemple, pour n++ et pi++. Donc, c'est n inférieur à p. Donc, n, c'est combien? N, c'est 10. Est-ce que 10 inférieur à p? Non, c'est faux. Donc, il ne va pas faire n++, il va faire p++. Tout d'abord, q reçoit la valeur de p et p sera incrémenté. Donc, q reçoit la valeur de p qui est 5 et pi devient 6. Donc, q, ça devient 5 et l'incrémentation pour pi devient 6. Donc, ça, vous le déroulez et vous allez voir, est-ce que vous avez compris la solution que j'ai fait au niveau de l'exercice numéro 5. La même chose pour l'exercice numéro 7, le dernier. Donc, il vous donne une suite de variables, calculées. À chaque fois, il calcule et vous donnez le résultat. Donc, essayez de les dérouler, le 6e et 7e. Donc, je vous dis bon courage et travaillez bien donc, pour la suite de ces exercices. La prochaine séance sera la même chose, une deuxième série d'exercices qui sera dédiée pour les entrées-sorties, ça veut dire printf et scanf. Donc, je vous dis bon courage et travaillez bien.